La Colombie est le deuxième pays à bénéficier de l'aide militaire américaine la plus importante, s'élevant à 1 milliard de dollars par an pour entraîner et équiper son armée. Les forces armées révolutionnaires colombiennes sont les plus anciennes, les plus puissantes, les plus sophistiquées d'Amérique latine. Plus connues sous le nom de FARC, depuis un demi-siècle, elles font régner la terreur en faisant la guerre au peuple et au gouvernement colombien. Elles utilisent tous les moyens. Attentats, meurtres, voitures piégées, kidnapping, chantage et prise d'otages. Les soldats américains se déploient fréquemment dans la région pour assister les opérations anti-drogue et anti-guérilla. Le gouvernement américain est prêt à verser 70 millions de dollars à ceux qui fourniront des indications permettant de capturer le chef des FARC. Les Colombiens descendent régulièrement dans les rues pour manifester contre les méthodes utilisées par les FARC. Ils réclament l'arrêt des violences, ainsi que la libération de centaines d'otages. En utilisant les capitaux énormes que leur rapporte la vente de cocaïne, les FARC équipent leur armée avec du matériel ultra sophistiqué, ce qui fait d'eux l'organisation terroriste la mieux armée du monde. D'arriver sur l'Ago. La cible est devant moi. Flashpoint Bravo, combien de soutien? Il m'en manque deux si on doit intervenir. Point Charlie, je te passe le relais. Je l'ai. Il faut être auprès de lui. On va tous se faire repérer. On n'a pas le choix, Charlie. Prêt à l'intercepter? Bien, tu vas le faire. Laisse tomber, Charlie, pas maintenant. N'oublie jamais la règle numéro 1, il faut connaître sa cible. Il en a pour 5 minutes. On se retrouve là-bas. Y'en a pas deux comme lui. Y'en a pas deux comme lui. Y'en a pas
Faut pas exploser. Encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un problème ? C'était raté. Ça va, et du calme, hein, ça va. Ah, c'est bon, on peut traquer. Juste un petit truc. Si jamais vous devez prendre un mec en filature, pensez à vérifier la position du soleil. Au moins, vous serez sûr que la personne que vous surveillez ne voit pas vos ombres. Parece pajaritos. Aquí está uno, ¿eh? Mamá. Mamá, aquí. A ver, a ver. ¿A cuánto? ¿Dónde? A ver, mi amor. Mira, así mi corazón. Termina en la orquesta con mi abuelo. No, él va a ser futbolista como el pibe y se va a ganar el mundial. ¿Qué va? Es tu sueño, mi amor. Pues claro, si soy papá. Y además, ¿quién le compró el balón? Yo. Mazorca, qué rico. Una, por favor. Está bien, está bien. Ay, qué bien está todo. ¿Tomás? Tranquila, mujer. ¿Tomás? Ya voy, ya voy. Está bien, mamá. Está bien, gracias. ¡Papi! Esos hijos putas de la FARC lo van a pagar. Cualquier cosa que necesites. ¿Entiendes? Cualquier cosa. Lo siento. Lo siento. Jamás te de olvidar. Yo te juro por mi Dios. Mi alma está. Bonjour, commandant. Bonjour. Ils vous ont collé derrière un bureau, commandant ? La meilleure façon de tuer un faucon, c'est de lui mettre un stylo dans les mains. J'aurais préféré rester sur le terrain, j'avais ça dans le sang. Allez, on se casse de cette prison. Alors, dites-moi tout ce que vous savez sur les FARC. Les forces armées révolutionnaires colombiennes, la plus puissante et la plus dangereuse guérilla communiste de la planète. Ils contrôlent plus de la moitié du pays. Et ils sont en guerre contre le gouvernement colombien depuis 40 ans. La défense du territoire a un dossier éloquent. Ils tuent environ 3000 Colombiens par an. Ils protègent les cartels qui sont les premiers producteurs de cocaïne au monde. Ils vendent cette saloperie au peuple et avec l'argent, ils achètent des armes pour tuer le peuple. Exactement. C'est quoi l'opération ? Observer sans intervenir. Mission de reconnaissance. Les services de défense du territoire ont pris ces clichés en pleine jungle dans la région de Partolimon. C'est à environ 150 km de Bogota. Regardez. C'était le mois dernier.
Et là, c'était hier. Ils ont triplé leur capacité de production. Ils ont fait leur provision de cocaïne pour l'hiver, ou alors ils préparent un gros coup. Ça va chauffer dans la jungle. Exactement. Notre boulot est de découvrir ce qu'ils cachent. Je veux que tout le monde soit prêt. On part demain à la première heure. Mission de surveillance. Mode furtif. On y va avec des caméras et on filme. Attends, t'as bien dit demain matin? Ouais, on lance l'opération en plein jour. J'ai pas peur des coups de soleil, mais en plein jour, c'est un peu risqué, non? On n'a pas le choix. On décolle demain matin. Pas avant, pas après. Question? Oui. Et l'armée colombienne? Elle va nous aider? Négatif. Les FARC ont des infiltrés dans l'armée nationale. Toutes les opérations conjointes ont échoué à cause des informateurs. On va se faire parachuter sur la zone. On saute au-dessus de Rio Arrieri et on ouvre le plus tard possible. On va se marrer. Durée de l'opération, 17 heures. Ouais? Oui, chef, vu l'extrême dangerosité de cette mission, je considère qu'il est de mon devoir de vous rappeler, sauf votre respect, que vous êtes un peu... trop vieux pour mener à bien cette mission en territoire ennemi. Ma très vieille mémoire se souvient qu'il n'y a pas si longtemps que ça, pendant la formation, tu voulais quitter l'entraînement parce que c'était trop difficile. Hein? Qui vient te récupérer chaque fois que tu te bourres la gueule? C'est bien toi. Et qui veille sur toi 24 sur 24? Qui se démerde pour que tu sois toujours en vie, quelle que soit la mission? C'est bien toi. Alors ne l'oublie pas. Rendez-vous sur le tarmac. Pas de problème. D'après ce que nous savons, il y a un réseau entre les FARC et des sympathisants colombiens. Vous serez évacués 20 km à l'est de ce point. En cas de besoin, vous avez une zone sécurisée ici. Contactez-la. N'oubliez pas, les FARC ne sont pas des paysans. Ils ne plaisantent pas. Tous les ans, on dépense une fortune pour sécuriser cette région. Mais la guérilla est toujours là, bien armée et entraînée. Ils connaissent ce terrain par cœur. Soyez vigilants et ouvrez l'œil. Nous entrons en zone de largage. Le nom de code, c'est... le fantôme discret. Restez sur vos gardes et soyez toujours prêts. Je veux tous vous récupérer entiers. Votre seule journée tranquille, c'est hier. Bouillard. Stingray Alpha, rendez-vous à Point Bravo. Faites gaffe avec les caméras. On va demander un chèque de caution. Un signal? Bien. On continue. L'infiltration est au vert. Elle est en route vers la cible. Prévenez-moi quand on aura un visuel. Oui, chef. Mon commandant, on a fait avec ce qu'on a pu. C'était une station radio. Ça fera l'affaire. Nicole Jennings, de l'ambassade des États-Unis. Bien. Visuel prêt, mon commandant. Vos hommes feraient bien de rester invisibles. Si le gouvernement colombien découvre que vous menez une opération sur leur sol,
Vous aurez compromis notre collaboration anti-drogue. La CIA nous a communiqué le nom de Carlos Rivera. Il pense qu'il est payé par les FARC. Il est responsable de l'attentat de l'usine à Bogota. Il serait aux ordres d'un chef qui se fait appeler Apotequil. Visuel. Je passe au spectre. J'ai quelque chose. Une dizaine de mètres, à une heure. Cubaine. C'est vieux ce truc. Mais ça fait des dégâts. J'ai jamais aimé ce modèle. La mine est désamorcée. Je répète. Je répète. La mine est désamorcée. Ils entrent dans le périmètre de l'objectif. Mmh. Commandant, on a perdu le signal satellite. Rétablissez-le. Mais c'est ce qu'on fait, on cherche une autre source. Trouvez-moi un autre satellite. On approche de l'objectif. Commando dans la jungle, vous me recevez ? C'est ici. Tu vas nous couvrir à 5 heures. Pas de problème.
Spectre est opérationnel. Il enregistre. C'est bon. On va voir ce qu'il cache dedans. Tu vas filmer, et après j'offre une tournée générale. Stingray Delta, prêt à intervenir. Comment ça se présente? Ça a l'air tranquille. Les enfants sont à l'école, et les voisins sont calmes. Je passe en électromagnétique. Rien sur l'écran. Pas de capteur infrarouge. Ni détecteur de mouvement. Je passe en thermique. Il y a 25 mecs à l'intérieur, tous en randonnion. Ça fait une jolie brochette. Les gardes sont équipés de radioémetteurs. C'est du vieux matos. Bien reçu. La porte est ouverte. Alpha, on y va. Prêt pour la partie de jambes en l'air ? Visuel à 6 heures. T'as pris une douche ce matin ? Ils portent des uniformes colombiens. Les Colombiens sont tous compromis. On y va. Neuf, il y a plein de nourriture. Voir toute cette bouffe, ça m'ouvre l'appétit. Je le sens mal. Attention, un soldat phare qui arrive sur Tango 1. Je sais pas ce qui se passe, ça devient chaud. Delta, ils sont combien ? Toujours 25. Ils ont pas bougé, ils sont assis. Je vais aller voir. Attends une seconde. De la selva. Pero yo no soy uno de esos. Yo no soy de esos. No más muerte. Je crois qu'on a un gros poisson. Ça ressemble à une conférence sur la paix entre l'armée colombienne et les FARC. Para nuestro pequeño encuentro. Un encuentro que puede ser muy histórico. A nuestro país. J'ai l'impression d'être dans un livre d'histoire. Tres mil colombianos mueren cada año. Tango 6, je suis dans le dépôt d'essence. Ils ont à peu près 4500 litres. Pas d'armes, y a rien. Aquí el objeto de nosotros tiene que ser obvio que estamos todos aquí. El objeto de nosotros es lograr la paz. Y la guerra por la paz. ¡Alto! ¡Alto! Je détecte un mouvement qui vient de la jungle. Une vingtaine de mecs armés. Barricadez! Bravo! Repliez-vous! De salir. Aseguren el perímetro.
quoi voir. Je bouge. C'est dégagé. Attends. Ils étaient là depuis le début. Ils avaient tout prévu pour pas se faire repérer. L'épervier, on se casse d'ici. Greg, tu me reçois? Qui l'a eu en dernier? On lui a tiré dessus. Putain de merde, c'est pas vrai. Ils sont super bien renseignés, ces fils de pute. S'ils ont eu Greg, ils ont repéré tous nos mouvements. On va y aller, maintenant. Me aseguran todo este equipo del armamento. Sí, comandante. Machos, aseguren el prisionero. No tienes para dónde salir. ¡Vámonos! C'est pas vrai, on s'est fait piéger, on est tombé dans une embuscade. Super bien entraînés, ces enfants. C'est des mecs de la FEUR, les forces spéciales colombiennes. C'est nos bérets verts qui ont formé ces fils de pute. Il y a quelque chose qui cloche, je veux comprendre. Mon frère, c'est pas le moment. On verra ça plus tard.
Sors-le. On a leur radio. Kevin est vivant et est prisonnier. Hein? Ils l'emmènent à Villa Vincenzo. T'en penses quoi? Ils ont eu mes hommes. Faut leur faire payer. C'est ce que j'appelle suivre la procédure à la lettre. Perfecto. Eso es lo que necesito. Esos tíos son mejores de lo que pensé. Encuéntrame los otros gringos. Sí, mayor. Bueno, ustedes dos, vamos. Je vois deux jeeps et un camion. Putain de merde, ils ont un Hummer. J'hallucine, j'arrive pas à le croire. J'ai une idée. Il nous faut un téléphone. Il y a un village pas loin. On n'a pas le temps de traîner. Faut faire vite si on veut pas perdre la trace de Kevin. Très bien. Ils ont envoyé une équipe à nos trousses. Quelle merde. Si ça c'est une mission facile, on est bon pour la retraite. Fais chier. On y va. Du nouveau? Nous n'avons aucun contact radio. Et le téléphone satellite? Pas de signal non plus, c'est bien ça? Désolé, chef. Nous n'avons aucune nouvelle, ils ont cessé d'émettre depuis 8 heures. Contactez qui vous voulez, mais trouvez-moi un satellite. Je veux savoir ce qui se passe. Bien. Je viens d'avoir notre ambassadeur à Bogota. Apparemment, il y a eu un incident. De quoi est-ce que vous parlez? De quoi je parle? En tout cas, une chose est certaine, c'est bien une incursion des forces armées américaines. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment, mais il semblerait que cette affaire ait un lien avec la fusillade qui a provoqué la mort d'un important chef des FARC et de militaires colombiens. Oh, sacrée merde. Il y a un téléphone. Il faut que je contacte le QG. Tu vas me couvrir. Génial. Te trompe pas de numéro. Attention, planque-toi. Quelqu'un à deux heures. Elle l'a vu. Reste planqué. Hey, fais pas le con. Vas-y. Merde. Hey, a pris le moteur à midi, descends. À l'heure de pointe.
Aseguradora. Sí, sí, hola, hola. ¿En qué lo puedo ayudar? Chef, vous avez un appel en PCV. Quoi? Allô? Deep Blue Identification. Sierra, 9, Foxtrot, Romeo, 147. Alpha Stingray, ici Deep Blue. Identification, contre-signe. Lima 3, Whiskey 17. Stingray, j'attends votre rapport. Il y a eu affrontement. Je répète, il y a eu affrontement. Ils nous attendaient. La guérilla organisait des négociations de paix en secret avec l'armée colombienne. Contactez l'ambassadeur sur sa ligne directe. Oui, madame. Coupez les haut-parleurs, grouillez-vous. Stingray, combien êtes-vous? J'ai perdu 2 hommes et 1 capturé. On est tombé sur les forces spéciales colombiennes. Merde. Stingray, vous confirmez? 2 pertes plus 1 prisonnier de guerre. Affirmatif. Suivez la procédure d'évacuation d'urgence. Négatif. Nous devons d'abord libérer notre homme. Absolument pas. Vous allez suivre la procédure. Je ne partirai pas sans lui. Démerdez-vous pour prendre cet hélicoptère, on s'occupe de votre homme. Faites ce que je dis. J'ai perdu 2 hommes. On a perdu 2 hommes. Et j'ai pas envie d'en perdre 2 de plus. Oui, chef. Suivez la procédure d'évacuation d'urgence. Rendez-vous à 13:00. Ici Deep Blue, terminé. Saloperie de merde. Passez-moi le général Burlings. Les fils de pute. T'as eu quelqu'un? Faut suivre les ordres. Je savais que t'allais dire ça. On y va. Sí, muy buenos. Amarrones atrás para que no se vuele. Llévelo a la cuartico. Qu'est-ce que vous faites? Il va devenir une star. Oui, tu vas passer à la télé. T'as foutu une sacrée merde avec tes copains. Qui vous a envoyé ici? On est venu draguer les Colombiennes. Elles sont chaudes. Commandant, on a un signal sur le satellite. Bien. Préparez l'évacuation. Mode thermique. Allez, bougez-vous le cul. Où est l'épuisette? Épuisette, quelle est votre position? Ici, épuisette. Bien reçu. Contact dans 90 secondes.
petit problème. Pas maintenant. Daisy Forge, répétez vos dernières instructions. Vous avez ordre d'évacuer immédiatement l'espace aérien colombien sans armement. Quoi? Mais ils sont là en bas! Ne vous posez pas, rentrez à la base. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je répète, annulez l'évacuation et rentrez à la base. Mais c'est n'importe quoi! Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils se posent pas? Ils ont reçu l'ordre de rentrer. Mais de qui? De l'armée colombienne. Commandant, regardez, il y a des véhicules. Merde, on a de la visite! J'attends des explications. Vos hommes sont considérés comme des criminels de guerre. Depuis quand l'armée colombienne décide pour nous? Qui a donné l'ordre d'annuler? Washington. Quoi? Écoutez, ils préfèrent utiliser la voie diplomatique. Nous ne pouvons pas entrer en guerre avec des alliés de l'Amérique. Les chefs des FARC ont promis d'intensifier leur campagne de terreur contre les États-Unis qui essaient de manipuler le peuple colombien. C'est n'importe quoi. C'est nous qui avons filmé ces images. Toute la classe politique colombienne a condamné d'une seule voix l'action des militaires américains. Et ils appellent à un retrait immédiat de toute présence militaire américaine dans la région. Ils nous ont laissé l'exclusivité de la diffusion de la capture d'un agent américain. Il semblerait que les tractations de paix qui devaient aboutir après 40 ans de guerre fratricide soient réduites à néant. C'est pas vrai, on est dans la merde. Commandant, vos hommes ont tout fait foire. Non, je connais mes hommes. Tout ça est faux. C'est n'importe quoi. Ils sont tombés dans un piège. Carl Bob, CIA. Commandant, vous avez l'ordre de lâcher cette affaire sur le champ. J'ai encore des hommes sur le terrain. Désolé, mais ça ne regarde plus l'armée maintenant. Écoutez-moi tous. C'est une intervention prioritaire. Je vous informe que j'ai les pleins pouvoirs pour gérer cette crise. Vous avez des questions ? Je suis désolé. Je peux pas vous détacher. Vous, les commandos marines, c'est incontrôlable. Vous êtes qui? Un FARC? Non. Armée colombienne? Les FARC ont tué ma femme et mon fils. Il y avait des militaires colombiens à cette réunion. Vous avez tué vos compatriotes. Les gens qui essaient de faire la paix avec tous ces monstres, ça non. Ce sont pas des compatriotes. Mais des traîtres. Ábreme. Qu'il n'y a personne. Sécurise la zone. On aura peut-être de la visite cette nuit. C'est hallucinant. J'ai l'air d'un adolescent. J'ai vraiment la classe.
Alors, pourquoi ils nous ont plantés? Equipos de militares norteamericanos han ingresado al país, secretamente. C'est le président colombien. Clandestinamente. On dirait qu'il est pas content. Es de evitar que continúen las prácticas de paz entre el gobierno de nuestra Colombia y las FARC. Il dit qu'on est des assassins. L'armée américaine a envoyé un commando pour faire capoter les pourparlers entre les Colombiens et les FARC. Nous, des assassins? Ça, c'est pas des images à nous. Quelqu'un est prêt à tout pour empêcher cette paix. Ils veulent nous faire porter le chapeau. Et il dit qu'on a fait ça parce que les États-Unis sont persuadés que tant que les FARC resteront un problème, les Colombiens seront dépendants de notre aide. C'est une façon de garder la mainmise sur la Colombie. Oh non. On a vu le mec qui nous a tendu un piège. L'armée colombienne a fait le coup. Pourquoi? La priorité, c'est Kevin. Je suis d'accord. Ils vont le garder en vie pour faire quelques photos de plus. Et c'est la radio. Ok. Que de la friture. Je sais pas sur quelle fréquence ils sont. Il faut se démerder pour trouver un véhicule. Et une voiture de course? Un 4x4? Tu choisis. Attends, regarde. Ce mec. C'est lui qui proposait la paix aux FARC avant que tout le monde se tire dessus. Ah ouais? Et c'est qui? Lui, un témoin. Des États-Unis en Colombie. Il semblerait que l'armée... Je suis désolée pour vos hommes. Je veux savoir qui a décidé de cette opération. Je veux savoir qui a envoyé mes hommes à la mort. Je suis pas sûre de pouvoir vous répondre. Vous n'êtes pas sans savoir que quand les Colombiens vont récupérer mes hommes, ils vont pas utiliser la voie diplomatique. Les Colombiens sont nos alliés. Ils diront que mes hommes se sont défendus. Qu'ils ont dû ouvrir le feu, mais ce sera une exécution. Boitano. J'ai appelé votre femme pour avoir votre numéro. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? On a toute la Colombie à notre os. On n'y est pour rien. On vous a accusé du massacre. Les officiels ont repris le dossier. Ils veulent sauver la face. Il y a un général qui a survécu à la fusillade. Il peut confirmer qu'on n'a pas tiré. Oui, je sais. Il n'a rien dit. Les Colombiens considèrent ça comme un acte de guerre. Les FARC vont tout brûler. Ils vont faire sauter des villages entiers. Je voulais vous remercier pour l'exfiltration. C'est Washington. Washington veut étouffer l'affaire. Ils veulent que vous vous rendiez. Et vous, c'est ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai besoin de capter les fréquences radio de Villa Vicenzio. Quelles sont les coordonnées? C'est Gavidan. Le salgo. Il est là. Adelante, me copio. Mayor, encontramos el vehículo. Estamos revisando el perímetro, pero... Estos gringos no están por ningún lado. Thank you.
signal de la fréquence radio. 118 degrés, 4 minutes 6 secondes est. 24, 26, 46 nord. Si vous voulez me faire plaisir, récupérez le vivant. Les murs sont trop épais. Je vois pas les sources de chaleur. On va y aller à l'aveugle. Merde, c'est un vrai cauchemar. Y a qui là-dedans? On sait même pas où il le cache. J'ai trouvé. Je suis sûr qu'il est là. On a deux gardes sur le toit. Un au sol. On va faire diversion. Ouais. Laisse-moi deux minutes. Ouais, sympa. Ok. De te revoir. Te grise pas, si je suis venu, c'est parce que tu me devais une guerre. Ouais, dommage, j'ai promis d'arrêter de boire. Grouille-toi. C'est fermé, merde. T'es malade? Non, je vomis toujours en voiture. Qu'est-ce que vous foutez encore là? Carter voulait rester. Faut changer de caisse. Pour aller où? Et voir un ami malade.
Ferme ta gueule! Toi et moi, on a des choses à se dire. Ok, ok, ok. Por favor. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais là-bas. J'ai vu ce qui s'est passé. Et vous, vous savez que c'est pas nous qui avons tiré. Vous me comprenez? Ouais, je comprends, je comprends. Je suis désolé de ce qui est arrivé à vos hommes. Votre gouvernement nous accuse. Il nous traite d'assassins. Ouais. Et puis quoi? Je peux pas les contredire. Et pourquoi pas? Les Américains ne sont pas très appréciés en Colombie. Et certains membres du gouvernement aimeraient bien voir les États-Unis se retirer complètement de toute l'Amérique du Sud. On doit rétablir la vérité. Qui vous a tiré dessus? Les uniformes n'avaient pas d'insigne, je n'ai reconnu personne. C'était pas des Américains. C'était un coup monté. Vous allez le dire à la presse. J'ai lu vos états de service. Vous êtes le seul survivant. Vous êtes un héros national. Non. Ils vont me discréditer et me traiter de menteur. Ensuite, je serai exécuté. Non. Non, c'est trop tard. Une seconde. Attendez. Si vous arrivez à trouver des preuves, je vais vous laisser mon numéro. Si vous trouvez quelque chose, téléphonez-moi. C'est le seul moyen de stopper cette folie. Vámonos! Enseguida! Non, cette caisse, c'est une puanteur. Oh, je suis désolé. C'est tout ce que j'ai trouvé. Dans les autres, il y avait des chats crevés ou des boucs qui dormaient. Est-ce que le général t'a aidé à résoudre notre problème? Il ne peut rien tant qu'on n'a pas de preuves solides. Kevin, raconte-lui ce que tu m'as dit. Le mec qui a fait le coup s'appelle Alvaro. Il est déterminé. Il a dit que sa famille a été tuée par les rebelles. Il ne tient absolument pas à un traité de paix signé avec les FARC. Autre chose? Il a envoyé toute une équipe pour vous retrouver. Il parle vite, mais j'ai compris. J'ai volé un téléphone satellitaire quand je me suis sauvé. C'était une bonne idée. Seulement, ces ordures l'ont complètement bousillé. Bien. Les cassettes vidéo. Ouais. C'est une bonne idée. Si on voit leur visage sur la cassette, on aura notre preuve. Faut les récupérer. C'est parti. On est dans la merde à cause de vos hommes. La Colombie a demandé à nos militaires et à nos diplomates de quitter immédiatement le pays. Ma priorité, c'est mes hommes. Je veux qu'on trouve le responsable. J'ai fait mes recherches. La CIA était au courant de la réunion. Rivera les a prévenus. C'est lui qui est derrière tout ça. Quel fils de pute! Dub! Vous avez joué avec le feu, vous et votre bande de faux culs. Maintenant, il est temps d'arrêter vos conneries. C'est prévu. Nous préparons un scénario pour prouver que vos soldats sont à la solde de Ruiz Mendoza, chef du cartel. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça! Je vais me gêner. Ils ont agi tout seuls comme des grands sans ordre. Ils ont organisé cette mission pour récupérer de la drogue, c'est des pourris. Je vous laisserai pas salir leur réputation. Ils ont des familles, ils se battent et ils meurent pour nous. Leur sacrifice nous sera très utile. Ensuite, tout rentrera dans l'ordre. Pas pour moi. Vos services de merde ont mis mes hommes dans cette situation. Et je vais les sortir de là. Vous ferez exactement ce que je vous demanderai de faire, soldat. À moins que vous ne préfériez être assigné dans une prison fédérale. Moi, c'est commandant. Et je vous conseille de pas me faire chier. Kevin, tu vas pas aimer. Il y a des grillages électriques partout. T'es sûr de vouloir y aller? J'aurais préféré être fermier. Je m'occuperai de poules, de cochons et de vaches. Il y a beaucoup d'espace. C'est faisable. On va sécuriser la zone. C'est un vieux bâtiment, mais les équipements sont récents. Tu crois que tu vas pouvoir nous faire entrer?
Aucun problème. N'oublie pas que c'est nous qui leur avons installé ces équipements. Attends un peu. Le puits. Ouais. C'est un puits? Un château d'eau et un puits. Ils sont sûrement liés ensemble. C'est pas idiot. Vous en pensez quoi? Qui ne tente rien n'a rien. Hors de question. Je reste là. Merde. On a que ça comme air. Ce sera pas assez. Ce sera mort d'hypothermie avant de manquer d'air. Tu peux aussi mourir en t'étranglant avec des racines. Merci pour les encouragements, ça me va droit. C'est normal. Démerde-toi pour entrer. Tu les descends tous. On aura peut-être une chance. La seule journée tranquille. C'était hier. Tu l'as dit. Avec ta caisse, je vais par là. Chose. Négatif. J'ai horreur de dire ça, mon frère. On va devoir penser au plan B. Il est toujours vivant, j'en suis sûr. El petróleo que nos enviaron está más sucio que agua de fregar. Thank you.
comprendre. On n'est pas invités. Bueno, olvídelo. Ya todo está bien. Tiens, c'est pour toi. J'ai pris ça au gardien. Content de te voir, mon frère. Ouais, on y va. J'espère qu'ils n'ont pas changé des codes de sécurité. Occupe-toi de la sécurité. Flingue-moi cette alarme. Alors, t'as trouvé les cassettes? Je les ai. Bien joué. Rien là-dessus. Comment ça? Rien. Ils les ont effacés à tous les coups. Tu veux dire qu'on a rien? Rien du tout. Putain de merde. Ah, les copains, on a de la visite. Je garde la porte. Carter, attrape les munitions. Génial. Abre la reja, huevón. Todos a la entrada. Están en la torre. Putain, on est vraiment dans la merde maintenant. Il y en a partout. Tu marches ou crèves. On va pas s'en sortir. Ils ont sûrement un hélicoptère. Quelle merde, faut trouver une solution. Combien il nous reste de fumigène? J'en ai 4. J'en ai 2. Je vais servir. Couvrez-moi. Vas-y, c'est bon. Ça a marché. On y va. Venimos, venimos. Voici le mayor. Con cuidado.
Commandant, on a essayé de récupérer nos cassettes vidéo, mais il n'y avait rien dessus. À quoi vous jouez, lieutenant? À quoi on joue? On est coincé dans ce bled. Pour l'instant, on essaie de survivre. On doit les avoir avant qu'ils nous descendent. C'est tout ce qu'on a trouvé. C'est pas un bon plan? Cette mission est une impasse, vous le savez. Je peux savoir ce qui se passe. Les FARC ont repris les attentats. Ils ont fait exploser un bus. 12 enfants sont morts. Le Pentagone prévoit un grand nombre de pertes civiles. 250 000 en un trimestre. On va vendre chèrement notre peau. On n'en est pas là, faut trouver une solution. Essayez de vous remémorer votre mission. Tout ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. Le moindre craquement de branches, les balles tirées. Et je peux savoir pourquoi? Parce que je vous ai entraîné. Mais je vous ai pas appris à laisser tomber. Les fausses informations qu'on a reçues du Venezuela venaient de Carlos Rivera, un nationaliste colombien. C'est le lieutenant de celui qu'on appelle Apotequil. Rivera est responsable des attentats à la bombe à Bogota. Je sais pas comment, mais en tout cas, tout est lié. Faites votre possible, restez prudent. Je peux voir votre téléphone. Tenez, je vous le donne. Il vous faudra une commission rogatoire pour lire mes messages. Considérez-vous comme relevé de vos fonctions. Vous n'avez aucune autorité en la matière. Bien au contraire, commandant. Je les ai toutes. Et maintenant? J'ai pas abattu toutes mes cartes. Merci. Vous êtes prêts? Coupez-moi tout ça. La mission se déroulait parfaitement. On s'est séparés dans la jungle. Greg nous couvrait. Il nous a communiqué la position des gardes. Très bien. Greg a vu arriver les bérets noirs. Il surveillait la base avec le Spectre. Ouais. Il était pas avec nous dans la grange, hein? Non, il y était pas. Oh merde. Tout son matos est resté là-bas. Ouais, il a tout enregistré. Nos positions et l'arrivée des bérets noirs. Ouais. Allons-y. J'écoute. J'ai les preuves. Vous en êtes absolument sûr? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut pour prouver que nous n'y sommes pour rien. Ok, excellent. Où est-ce qu'on peut se voir? Puerto Limón, à 17h précise. Ok, ça me semble parfait. J'espère que tout ce que vous me dites là est sérieux. Dans le cas contraire. Demain, mon pays connaîtra le jour le plus sanglant de son histoire. Eh ben, on a de la chance d'être aujourd'hui. Partout. C'est sûrement dans le coin. Ça nous innocente. Il arrive quand, général? Dans une heure. Eh merde! Attendez, les mecs. Quoi? Regarde en bas. Oh, c'est pas vrai. Comment ils ont fait pour nous retrouver? Eh, dis-moi un truc. On est adossé à une montagne. La seule issue, c'est de rentrer dedans. Je suis trop vieux pour ces conneries. Ça peut éviter la guerre. La perds pas. Génial, j'ai pas l'impression. Quelle merde. On va se les faire en silence, sans flingue. Je savais que t'allais dire ça. C'est parce qu'on est frères. Pour Greg et Steve.
des Américains. Vous vous prenez pour des super-héros. Moi, je préfère John McClane. Rafael, Dario. Muévese hacia el río. Me copian. Dario, Rafael, me copian. Allí me copian. Dire la vérité. Pense à ta femme, à ton fils. Tu crois que c'est ce qu'ils auraient voulu? J'ai besoin de ton aide. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Tu vois, sinon c'est moi qui te tuerai. Posez votre arme, soldat. Général Vallès? Carter? Votre homme ne risque rien. Où sont les preuves? Cet homme est un traître. Donne-lui la cassette. Tout est là-dessus, on le voit tirer sur vos soldats. On voit quelque chose? Alvaro. Vous travaillez avec lui? Il travaille pour moi. C'est moi qui lui donne les ordres. Quoi? Quand j'étais encore un enfant, les guerrilleros ont coupé la tête de mon père. Ils m'ont obligé à regarder. C'est pour ça que je suis devenu soldat. Pour les éliminer. Et vos beaux discours sur la paix, tous ces innocents que vous avez tués, c'était vos alliés, non? Ils ont été sacrifiés pour la Colombie. Ce sont des héros. Vous avez fait croire à des pourparlers de paix. Et mes hommes, vous les avez sacrifiés. Alvaro, tue-le. Rivera, tu vas filmer les corps. Je veux qu'on croie qu'ils voulaient faire sauter la base. D'accord. Rivera, Carlos Rivera, l'attentat à la bombe à Bogota, c'était pas les FARC, c'était vous. C'est des conneries. Alvaro, tue-le. Non, non, Rivera est un exécutant. Son chef se fait appeler Apotequil. Apotequil? Toi? Ma femme? Ils sont morts en héros pour la Colombie. Leur sacrifice nous a rapprochés. C'est toi qui les as tués? Non. Les Américains sont responsables. Les guerrilleros les ont tués. Mais c'est terminé. Maintenant, nous allons gagner. Nous allons écraser la guérilla. Nous allons renvoyer les Américains. Et la Colombie sera bientôt à nous. Alvaro, je vais nous conduire vers une nouvelle ère de vie. Qu'est-ce que c'est comparé au destin de notre pays? T'es pas un soldat. Tu
Tu es un traître, tu as trahi ton pays. Il a trahi notre pays. Il nous a tous trahis. Quelle connerie tout ça. Fais-en bon usage. Un combattant d'un genre particulier, toujours prêt à répondre à l'appel de son pays. Un homme commun, mais doté d'une volonté farouche. Forgé par l'adversité, cet homme appartient à la fine fleur des forces d'opérations spéciales. Il est au service de son pays, au service de son peuple. Il est le garant de leur liberté. Garde à vous ! Cet homme, c'est moi. Le commando, c'est ma vie.